Bonsoir à tous et à toutes, et bienvenue dans cette nouvelle rencontre, un endroit où aller, où ce soir c'est une soirée spéciale. C'est une soirée organisée avec notre partenaire lecteur.com, qui est le site de la Fondation Orange. C'est un site qui rassemble une communauté de passionnés autour de la lecture et de la littérature. Il propose également des conseils de lecture dans tous les genres de littéraires. C'est aussi un site qui permet d'avoir une bibliothèque virtuelle et de la gérer, et c'est surtout un véritable réseau social autour de la lecture, où les lecteurs viennent partager leurs avis, échanger entre eux. Ce soir, nous accueillons justement dans cette soirée quatre grands lecteurs qui ont un point commun, c'est-à-dire qu'ils ont tous un rapport avec lecteur.com, mais Karine y reviendra. Donc ce soir, c'est bien Karine Papillot, journaliste littéraire, que nous retrouvons, et non pas Frédéric Degueil comme mentionné. Je vais rappeler que nos amis participants peuvent poser des questions à ces quatre grands lecteurs par mon intermédiaire. Karine, je te laisse la main. Bonne soirée. Merci Nathalie. Oui, je suis rebaptisée Frédéric pour l'occasion. On a eu un petit problème de lien Zoom, ce qui fait qu'on a commencé avec 3-4 minutes de retard. Moi, je suis très contente de mettre, très heureuse, de mettre des visages qui parlent, qui bougent sur des noms que je connais bien pour la plupart d'entre vous. On va dire bonjour à Henri Charles, qui est le promoteur et l'animateur de ma collection de livres depuis 2015. À côté, est-ce que je suis dans le bon ordre? Oui, à côté, Marie Jouvin, troupe de bibliomane. Alors ça, on voudrait savoir un peu d'où ça vient. Et puis, Ghislaine Antoine. Oui, je suis bien dans l'ordre, c'est ça. Ghislaine, pour le domaine de Squirrelito, pareil, on voudra savoir d'où ça vient et d'où viennent aussi ces très jolies images de petits écureuils. Et Jean-François Cimarano. Jean-François, c'est Cimarane, on est d'accord? Cimarano. Marano, vous faites le haut, vous, à la fin. D'accord. Ah oui, comme en Italie, oui. Comme en Italie, d'accord. Pas comme en Corse, alors. Non. Alors, Jean-François, c'est la première fois qu'on se parle, mais on se connaît depuis 8 ans. Et vous êtes un des premiers à avoir participé. Hein, vous êtes un très grand lecteur et un très grand chroniqueur. Et vous êtes un des premiers à avoir participé aux explorateurs de la rentrée de lecteur.com, qui est une opération de lecture, 50 lecteurs, 50 livres tous les étés. Et vous êtes un de nos fils rouges, on va dire ça comme ça. Vous nous expliquerez, vous êtes aussi un grand contributeur sur lecteur.com, vous nous expliquerez aussi, comme les autres, votre façon de travailler, de choisir les textes et d'en parler. Vous avez tous les quatre un autre point commun que mentionnait Nathalie, c'est que vous avez tous été jurés du prix Orange du livre. Et pour Marie, c'est cette année. C'est ça, oui. Oui, c'est cette année. Oui, c'est cette année. C'est cette année, donc c'est une première pour vous. Les délibérations sont le 31 mars, donc pour l'instant, vous n'avez pas assisté à la foire d'Empoigne. Les autres peuvent peut-être vous en parler. Ça fait partie du travail de lecteur, d'être juré de prix. Comment est-ce que cette expérience, en tout cas celle du prix Orange du livre, qu'est-ce qui vous reste d'elle? Peut-être on va commencer par ça, histoire de vous chauffer un peu avant ensuite de vous poser plein de questions très implicante. Alors, on va laisser l'honneur aux femmes, on va laisser Guylaine peut-être commencer. Merci, ou Jean-François, vu que c'est lui qui a ouvert le bal pour le prix Orange. Moi, j'en ai un souvenir extraordinaire. C'est pas mon premier jury littéraire, mais c'est celui qui est le plus, je pourrais presque dire, à son auto. C'est-à-dire qu'il est complet. C'est le seul pratiquement qui existe, qui rejoint lecteur, libraire et écrivain. Donc ça, c'est vraiment un point fondamental. Alors, les réunions, Marie, ne vous inquiétez pas, elles ne sont pas horribles, c'est pas fracassant, quelques verres cassés, quelques assiettes qui volent, mais rien de plus. On sort entier, en général, du j'espère que ça pourra être en présentiel malgré les restrictions sanitaires parce que ça doit être vraiment frustrant. Ça va être compliqué. Voilà, ça va être compliqué. Quand j'ai vu l'année dernière, moi j'ai fait la session 2019 avec mon collègue Henri Charles. Et quand j'ai vu en 2020 que c'était uniquement par écran interposé, je me suis dit qu'est-ce que je souffrirais de ne pas pouvoir participer à un tel bonheur. De pouvoir non seulement défendre, griffer dehors nos titres préférés,
et pour pouvoir communiquer en face avec écrivains, libraires, des gens qu'on connaît, des gens qu'on ne connaît pas. C'est vraiment, et puis il y a c'est un jury extraordinaire en sorte que ça se prolonge. Bon, il y a Françoise Fernandez, que je salue d'ailleurs ce soir, et puis il y a la maîtrise de créer un lien après, c'est-à-dire c'est comme Mozart, même quand il n'y a plus Mozart, on entend encore Mozart. Voilà, le prix Orange, c'est pareil. On n'est plus juré, mais on l'est encore un petit peu. La preuve, ce soir, nous sommes encore réunis. En effet, Henri Charles, merci. Alors, je veux juste une petite chose, mais ça fera le lien avec la soirée, c'est que ce jury, c'est un jury de passionnés. Et la passion transparaît, sourde, tous les commentaires et les débats qu'on a eus. Et c'est ça qui est formidable, parce qu'on arrive à se laisser convaincre par un enthousiasme fort. On écoute les arguments des autres, on les partage. C'est une très belle expérience. Oui. Est-ce que c'est enrichissant pour le lecteur que vous êtes? Alors, c'est très enrichissant parce que d'abord, on a un panel très large de livres. On reçoit donc des livres qu'on n'aurait soi-même jamais sélectionnés ou jamais demandés. Après, on verra comment chacun sélectionne ses livres, etc. Mais là, en l'occurrence, c'est un choix qui est établi par Orange, par lecteur.com. Et donc, on découvre des choses. Et ça, c'est une belle expérience aussi, parce que des textes donc, vers lesquels je ne serais moi jamais allé, et puis que j'ai ensuite défendu et que je défendrai encore bec et ongle. Donc, c'est, oui, non, c'était très beau. Merci. Jean-François, quel souvenir gardez-vous? Ah, c'était un souvenir exceptionnel du Grand Prix, du Prix Orange du livre. En plus, on vit un exercice dans ces cas-là qu'on n'a pas l'habitude de vivre en tant que lecteur. En temps normal, on ne se met pas la pression pour lire. En ce qui me concerne, je ne mets pas forcément de pression pour la lecture. Tandis que là, on reçoit ces cartons de livres et si on veut vraiment avoir une vision d'ensemble de tout ça, il faut lire pratiquement, je ne vais pas dire jour et nuit, mais il faut y passer énormément de temps. Et on est obligé de lire les livres qui nous plaisent, évidemment. Et puis, il y a ceux qui nous plaisent beaucoup moins. Et ça, c'est un exercice pour un lecteur. C'est un exercice très intéressant parce que le reste de l'année, il faut bien se le dire, on va pas forcément continuer un livre avec lequel on n'a pas du tout d'affinité. Alors que là, on va au bout par respect pour les auteurs qui sont présentés. C'est un super exercice. Merci Jean-François. Marie, vous en êtes au stade des cartons de livres? C'est ça. Ça se passe bien? Ça se passe très bien. Autant ben, vraiment au niveau de la lecture que aussi au niveau humain. Parce que effectivement, comme Justine elle le disait, il y a vraiment des liens qui se créent. C'est vraiment quelque chose de beau. On a vraiment eu l'occasion de se rencontrer, de vraiment parler, de voir aussi les goûts de chacun. Et c'est intéressant parce qu'on n'a pas tous les mêmes et on peut débattre. Et ça, c'est vraiment génial. Et au-delà de ça, ça crée aussi des amitiés. Je vais vous demander maintenant. Avant de parler de vos travaux actuels, vous êtes des grands lecteurs, mais ça a pris comment et à quel moment le virus de la lecture, prenons un champ lexical assez en vogue en ce moment, vous a touché? Qu'est-ce qui s'est passé dans vos vies? À quel moment vous êtes devenu vraiment lecteur? Alors Marie, je vous donne la main, donc allons-y. Alors, ben, me concernant, ça a été très jeune, en fait. À partir du moment où j'ai pu lire, je viens d'une famille de lecteurs, donc c'est vrai que, voilà, ça arrivait en fait très rapidement. Les bibliothèques, elles ont été assez fréquentes, que ce soit chez mes grands-parents ou chez mes parents. Et on m'a transmis, voilà, le virus de la littérature dès que j'ai pu pouvoir lire certaines phrases. Et ça, c'est vrai que ça n'est jamais parti, en fait. La curiosité de découvrir toujours davantage, elle est arrivée, voilà, vers l'âge de 6-7 ans. Et non, c'est resté. Et vous, Ghislaine? Moi, je peux presque dire que je ne m'en souviens pas. Moi, je ne m'en souviens pas. J'ai lu très, très jeune. Et donc, il paraît que ma première envie de lecture, c'était de lire il y avait d'inscrits sur les bouteilles d'eau minérale ou les paquets
qui arrivait sur la table. Donc, mes parents ont décidé de m'apprendre à lire très, très jeune. Et ben voilà, le virus m'a pris et je voulais lire, lire, lire. Et j'ai eu la chance surtout d'avoir une marraine qui était une grande maîtrise, une grande consommatrice de livres, aussi bien des classiques que des contemporains. Et surtout, c'était une femme qui aimait, qui me disait toujours, c'était quelqu'un de très engagé et qui disait qu'il faut tout lire. Et donc, pas que du roman, mais c'est pour ça que je dis par rapport à vous, c'est que du roman. Moi, j'ai lu aussi beaucoup de documents, beaucoup d'essais. Et voilà, c'est un peu comme Obélix qui est tombé dans la marmite de potions magiques, qui s'en souvient à peine. Ben moi, c'est pareil, je dis que ce virus, voilà, il m'a pris, je n'ai même plus conscience, quoi, à ce point-là. Et Jean-François, alors, comment ça s'est passé pour vous? Moi, je n'étais pas, j'étais pas voué véritablement à lire. Hein. Je n'étais pas dans une famille de lecteurs, mes parents n'étaient pas des lecteurs. Je crois que l'importance des professeurs de français, elle a été énorme. Moi, je me souviens de l'exigence du bac français avec 40 textes à présenter. J'en ai encore le souvenir de ce chiffre-là. Je pense que l'exigence de l'époque était très importante parce que dans les 40 textes, on avait au moins 20 ou 25 auteurs. Qu'on découvrait, qu'on analysait, parce qu'on travaillait beaucoup l'analyse de texte. Et à partir de là, il y a de la curiosité qui est née. Et puis, selon le charisme du professeur que vous avez, il est évident qu'il va vous amener vers tel ou tel auteur. Et ça, je trouve que c'est formidable d'avoir des gens comme ça qui ont pu nous guider vers la lecture. Après, ça se fait un peu tout seul. Mais enfin, je pense... On ne naît pas lecteur en tout cas. Ça, pour moi, c'est une certitude. Henri-Charles? Alors, je rebondis sur ce qu'a dit Jean-François. On ne naît pas lecteur. Alors, moi, contrairement à Guylaine, je sais très bien comment ça a commencé. Ça a commencé avec un album de Tintin, je me rappelle très bien, Le secret de la licorne et le trésor de Rackham le Rouge. Et ces histoires de trésors, à un moment donné, je suis passé devant la librairie et puis j'ai vu L'île au trésor. Et j'ai dit à mon père, il faut que tu m'achètes ce livre-là parce que ça m'intéresse. Et donc j'ai lu Stevenson et puis ensuite j'ai trouvé ça formidable. J'ai demandé s'il y avait d'autres livres du même genre, etc. Puis mon père m'a dit, oh ben tiens, regarde voir là le Club des Cinq. Je me rappelle très bien aussi. Il dit, ça doit être à peu près pour ton âge. Du coup, j'ai lu tout Enid Blyton. Ma sœur avait la bibliothèque rose, moi j'avais la bibliothèque verte. Et je me souviens très bien que de temps en temps, j'allais piquer des bouquins chez ma sœur parce que je me disais, tiens, ça a l'air de lui plaire, ces livres-là. Il y en a quelques-uns qui étaient pas mal non plus. Et du coup, de livre en livre, comme ça, j'ai jamais arrêté, quoi. Trois d'entre vous sont allés plus loin dans leur rapport à la lecture puisqu'ils ont créé un blog. Alors, c'est bien de lire, enfin, on peut lire énormément, mais ensuite, ouvrir un espace, c'est quand même une contrainte, pardon, mais il faut l'entretenir, enfin, c'est une forme de média. Qu'est-ce qui vous a amené, tous les trois? Là, je parle de Guylaine ou Ghislaine? Moi, je dis Ghislaine, mais... C'est Ghislaine. Bon, Henri-Charles, c'est Ghislaine, c'est pas Guylaine. Hein, c'est mon écureuil préféré. C'est mon écureuil préféré. Oh, c'est ça. Donc tous les trois, donc Henri-Charles, Ghislaine et Marie, qu'est-ce qui vous a conduit, puisque vos sites sont extrêmement d'abord riches, très bien faits, très, très bien présentés, très agréables, qu'est-ce qui vous a fait sauter le pas de l'ouverture d'un blog? Alors si je peux commencer, chez moi c'est tout simple, puisque j'ai fait des études de journalisme, j'ai été journaliste, puis j'ai été critique littéraire pour un hebdomadaire pendant une dizaine d'années, et ensuite j'ai changé de voie, et donc j'ai perdu la littérature, si je puis dire, et donc l'envie de partager et de faire découvrir, ça m'a poussé donc à créer ce blog il y a maintenant 5 ans, 6 ans, et là aussi c'est la même chose, c'est cette envie, ce besoin qu'on a de partager. Ça vous prend du temps? Ça me prend à peu près 2 heures par jour. Oui, comment faites-vous avec votre entourage?
Alors, mon entourage, c'est a dû s'y mettre, bien sûr. Mais j'ai une épouse qui lit aussi. Oui, on s'arrange, on a des emplois du temps. Je veux dire, c'est une passion comme une autre. Moi, je joue pas au tiercé, je fais pas d'autres choses. Donc voilà. Ah, Ghislaine, comment cela se passe-t-il pour vous? Ouais, ça se passe, c'est vraiment c'est quelque chose. Après, j'arrive à me concentrer. J'ai énormément de problèmes de concentration. Et là, c'est presque, si je ne l'ai pas, je ne sais pas bien. Voilà. Et je l'ai créé au départ, c'était pas un vœu littéraire du tout, hein. Je l'ai créé parce que j'étais bénévole pour une association et je voulais continuer quand même à créer un lien et par le blog pour délivrer des informations. Et puis, au fur et à mesure. Attendez, pardon Gisèle, mais on ne vous entend pas super bien. Oui, mais je sais que C'est un bon, bloc. j'ai un très vieil ordinateur et donc là vous Mais m'entendez c'est mieux. pas grave. Oui, mais vous, c'était un bloc destiné à quelle intention? Au départ, c'était Oui, parce que j'avais été bénévole pour une association, et puis après j'avais laissé, et c'était pour continuer quand même un lien et puis donner des informations. Donc toutes ces informations ont disparu, j'avais rien enlevé. Et après, c'était un petit peu, il y avait un peu de tout, il y avait bien sûr des livres, mais il y avait aussi des émissions de télévision, il y avait des billets d'humeur où bah, j'avais envie quelquefois, bah, voilà, entre guillemets, de lire un bon coup sur certaines choses, sur certaines émissions. Et puis progressivement, bah, c'est devenu vraiment que de la littérature. Et c'est, je dirais pas que c'est un médicament, mais presque. Alors la seule, alors, je sais pas, moi, ça m'intéresserait de savoir, par exemple, Henri Charles et Marie, combien de temps il faut pour écrire une chronique? Parce que moi, au bout d'une demi-heure, pour moi, c'est grand maximum, vu que j'arrive pas à tenir en place chez moi. Et moi, je voudrais savoir si, comment vous vous y prenez, ou même des conseils pour voilà. Ça m'intéresse. Alors, on va y venir, mais combien de temps ça vous prend par jour la lecture et l'écriture de ce blog? La À certains lecture, endroits. je suis relativement insomniaque, donc la lecture, c'est plutôt la nuit. Après, je calcule pas, je sais pas, ça peut être 2, 3. En lecture, ça peut aller jusqu'à 3, 4 heures dans une nuit, hein, facile. Donc pour rédiger une chronique, là, il faut que ça aille très vite, parce que moi, je m'agace. Et pourtant, j'ai le plaisir à le faire, mais bon, je ne tiens pas en place quand je suis chez moi, voilà. Autrement, non, je ne calcule pas, je ne sais pas, je ne me rends même pas compte. Merci. Marie? Alors Où êtes-vous, Marie? au niveau du temps pour écrire une chronique, etc. Alors dans la journée, plus la lecture, ça va environ prendre 5 heures, je pense, 5 à 6 heures. Ça dépend, donc les jours où je vais écrire une chronique, peut-être ça va prendre parfois plus de temps parce que j'ai tendance à faire des brouillons. Voilà, j'ai un premier jet en fait avant d'écrire définitivement la chronique. Et c'est vrai un peu comme Ghislaine, j'aime bien travailler le soir, j'aime bien lire le soir. Et justement, les soirées d'insomnie, c'est parfait pour pouvoir lire. Et je peux tout à fait lire voilà, 2, 3 heures d'affilée le soir. Ça ne va pas poser problème. Et en même temps, j'ai fini ma journée. Donc, ça permet de se détendre, de ne pas trop être sur les écrans. Donc, c'est tout bénéfique, en fait. Mais vous avez donc là, ça vous parlez de la lecture, mais un blog, c'est une démarche qui est assez contraignante, très exigeante, qui est une vitrine. C'est un investissement en temps. Qu'est-ce que vous attendez de de ce blog? C'est toujours moi. Oui, c'est toujours vous. Ok. Bah, évidemment, alors moi, ce que j'attends de ce banc, c'est que c'est évidemment qu'il soit pertinent. J'ai envie que les gens ils puissent aussi avoir régulièrement de nouvelles idées de lecture. Donc, c'est vrai que lire des livres, bah, on ne peut pas rester une semaine sans lire un livre, voilà, et proposer quelque chose parce que sinon, bon, on se demande un peu où on est passé en fait, et voilà, est-ce qu'on a lâché l'affaire? Et c'est vrai qu'il y a disons, une certaine organisation qui se met en place, tant au niveau de la lecture qu'au niveau de l'écriture. Ça devient presque naturel, j'ai envie de dire, de se mettre à lire à certaines heures, d'écrire à certaines heures, et de prendre le pli en fait au fur et à mesure dans le quotidien. Et c'est vrai que c'est contraignant au niveau des heures, mais personnellement, je ne le vois pas comme tel parce que j'aime tellement ce que je fais
que c'est pas vraiment du travail. Bon, comme on dit, voilà, c'est si tu fais évidemment de ta vie une passion dans ton travail, tout se passe bien. Donc, c'est vrai que moi, c'est mon cas et je vois pas le temps passer. Après, c'est vrai que par exemple, quand il y a des deadlines pour des livres qui doivent sortir, là, on peut pas non plus faire comme on veut. Si jamais une maison d'édition souhaite faire un partenariat et proposer maintenant de promouvoir un livre pour une sortie. À ce moment-là, il faut avoir lu le livre et avoir fait une chronique avant la sortie et effectivement pas le faire 2 mois plus tard. Donc là, effectivement, c'est vrai qu'il va y avoir un emploi du temps qui va se mettre en place, qu'il faudra parfois respecter. Ah, vous avez une démarche qui est assez professionnalisante en fait à Oui, travers ce c'est ça. blog. C'est ça, tout à fait. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, ce qui correspond un peu à la demande de Ghislaine aussi. Donc je m'adresse au lecteur. Donc vous êtes lecteur, vous lisez, mais comment choisissez-vous vos textes? Comment choisissez-vous les livres? Alors bien sûr, vous recevez, j'imagine, des textes de maison d'édition, mais ça, à la limite, on en parlera un peu plus tard, mais c'est presque de l'ordre de la lecture imposée, donc ça ne m'intéresse pas. Mais vous, en tant que lecteur, vers quoi allez-vous spontanément, Henri Charles? Alors, moi, je vais décevoir peut-être beaucoup de monde, c'est très organisé chez moi. C'est-à-dire que je prépare 2 fois par an un guide de la rentrée littéraire où je rassemble en fait toutes les parutions qui arrivent. Je le mets aussi bien sûr en ligne à la disposition de tout le monde, ceux qui veulent savoir quels sont les livres qui vont sortir, mais ça me permet de faire une présélection. Donc sur 200-300 titres, je me dis tiens, ça peut m'intéresser à cause du sujet, à cause de l'auteur. Alors là aussi, plus les années passent, plus on a des auteurs qu'on suit et on se dit tiens, je vais attendre son prochain livre, etc. Donc ça laisse aussi, ça ferme quelques portes, mais ça en ouvre aussi d'autres. J'ai la chance aussi de faire partie de l'association des 68 premières fois, qui eux sont plus concentrés sur les premiers romans. Et donc là aussi, il y a une sélection d'ouvrages. Et le but ultime, c'est d'avoir un calendrier de livres à lire et de chroniques qui me fait penser que, bon, ben voilà, dans 8 jours, j'ai bien envie de parler de ce livre-là. Donc il faut que je fasse la lecture en conséquence, etc. Donc chez moi, c'est très organisé. Ceux qui pensent que la lecture, c'est voilà, joyeux, qu'on lit un livre et puis qu'ensuite. Ah ben, on passe à une autre lecture, mais qu'on n'a pas fait de chronique, etc. Donc chez moi, c'est très carré. Richard, mais justement, quand vous faites votre planning de rentrée littéraire, quel livre choisissez-vous? Alors évidemment, il y a beaucoup de choses qui vont vous décevoir, donc que vous ne chroniquerez, j'imagine pas. Exactement. Mais là, il y a 500 livres à peu près qui sortent, notamment à la rentrée littéraire de fin août. Comment vous faites vos choix? Alors, les premiers Est-ce que choix, c'est c'est par des. des émissions? Alors juste, est-ce que c'est le libraire? Est-ce que c'est une émission de télé? Est-ce que c'est la quatrième de couve? Comment faites-vous? Alors, c'est pas une réponse de Normand, mais c'est un peu tout ça. C'est-à-dire que dès que j'ai un livre dont je pense qu'il pourrait m'intéresser, soit par le thème, par le sujet, etc., j'organise une sorte de veille. C'est-à-dire que. Je vais me promener, je vais voir les 2, 3 libraires que je connais bien. Je leur dis, tiens, t'as entendu parler de celui-là, qu'est-ce que t'en penses, etc. Donc, c'est une sorte de filtre. La même chose par rapport aux médias, aux réseaux sociaux. Quand j'entends parler de quelque chose, je regarde si ça bouge un peu, s'il y en a d'autres. Je suis bien sûr mes collègues blogueurs. Je regarde un peu ce qu'ils font, ce qu'ils ont lu, s'ils ont un enthousiasme particulier pour un livre. Et je me dis, tiens, celui-là n'était pas dans ma liste, ben, je vais le rajouter. Et puis donc, en revanche, il y a une chose qui est très juste, c'est que je considère moi que sur mon blog, j'ai pas la place pour parler des mauvais livres. On m'a souvent fait le reproche, on m'a dit, mais tous les livres sont bien, tous les livres dont tu parles, tu les aimes. Eh ben oui, c'est un choix. Je ne parle que des livres que j'aime. Merci, Richard. Jean-François, je vais vous poser la même question. Moi, ça fait quand même longtemps que je lis. Donc, si vous voulez, il y a des habitudes qui se prennent et il y a surtout une espèce de famille qui se crée, dans le sens où je suis un certain nombre d'auteurs.
Et je ne manque jamais la sortie de leurs livres. Modiano, Bobin, Jean Rollin, enfin des gens comme ça, pour moi, ça reste incontournable et ça fait partie des gens que je lis. En même temps, je suis toujours sur deux livres en même temps, c'est-à-dire un roman et aussi un livre sur le cinéma, parce que je suis autant cinéphile, si vous voulez, que lecteur. Donc, j'ai depuis très très longtemps l'habitude de lire des livres sur le cinéma. Et donc, ça fait partie aussi de lectures qui sont les miennes. Et puis après, il y a les classiques. J'adore lire des classiques que je n'ai pas lus. Je reçois les newsletters un peu de tous les éditeurs. Donc là, il y a toujours des ressorties chez les éditeurs de Goethe, de Balzac, avec des couvertures qui sont parfois très très jolies. Et c'est simplement la couverture qui m'attire chez. Dans un classique que je vais relire, que je vais commander et que je vais relire. Voilà, donc je suis sur trois plans, les favoris, on va dire, les livres de cinéma, les biographies aussi, et puis les classiques que je continue à lire et avec lesquels je prends énormément de plaisir. Merci. Ghislaine, je vous pose les mêmes questions. Alors moi, je suis vraiment l'antithèse d'Henri Charles, c'est-à-dire que je ne suis pas du tout organisée et complètement Je ne me mets pas... Pardon, Ghislaine, est-ce que c'est ça la technique de l'écureuil, justement, qui est quand même l'emblème de votre blog? C'est possible, je ne sais pas, mais voilà, je pioche un petit peu partout. Et tout. Alors même si je reçois énormément de SP, je ne veux pas du tout que les éditeurs me mettent la pression. Voilà, je veux rester libre, indépendante. Si j'ai pas envie de lire un livre même que j'ai reçu, voilà, bon, bah, c'est un jeu, hein, d'abord, comme Henri Charles, hein, un livre qui ne me plaît pas, je ne peux pas le dire. Moi, je ne parle que des livres que j'aime bien. De temps en temps, je peux mettre quelque chose, parce qu'il y a un petit quelque, voilà, qui m'a moins plu, je mets un petit bémol, mais c'est vraiment pratiquement rien. Mais je veux pas qu'on m'impose quelque chose, je veux rester libre. Voilà. Et ça, c'est un accord que j'ai avec les attachés de presse, avec les commerciaux. Voilà. Moi, je fais ce que je veux. Ça me plaît, ça me plaît pas. Et souvent, on m'envoie une liste et je choisis quand même un petit peu ce qui m'intéresse. Mais il y a une grande différence quand on passe de simple lecteur à blogueur. C'est-à-dire que moi, simple lecteur, avant que je connaisse voilà, les maisons d'édition, que je rentre vraiment dans ce milieu-là. Mes choix de lecture, c'était vraiment mes goûts, c'est-à-dire que c'est les livres d'histoire, les livres ceux qui font voyager, les récits, ou quelquefois je passais, donc une couverture et surtout un titre. Hein. Je fais référence à notre président du jury du Prix Orange, j'étais en pleine période iranienne et j'ai vu Sauver Ispahan. Donc forcément, je ne connaissais pas à l'époque l'auteur. Et quand j'ai vu qu'il sortait ce livre dans les années 90, je crois, Sauver Ispahan, ben voilà, j'ai acheté le livre. Et en général, quand j'ai acheté un livre pour le titre, j'ai rarement été déçue. Rarement. Là, en tant que blogueuse, ce qui est passionnant, c'est que je découvre des livres quand même que je n'aurais jamais osé acheter, des auteurs, des premiers romans. Ça, c'est quelque chose de fantastique parce que ça ouvre énormément de voies, de voies littéraires, d'horizons nouveaux, quelquefois des livres beaucoup plus durs, beaucoup plus rudes, que je n'aurais pas forcément lus. Et je n'ai qu'une idée justement à travers le blog, c'est de partager des auteurs aussi moins connus. Parce que, voilà, moi, je trouve qu'un blogueur, il se doit de toute petite maison d'édition, toute grande maison d'édition. Il doit parler des auteurs connus, parce que si ça lui plaît, bah, tant mieux. Mais on doit aussi parler des auteurs beaucoup moins connus, des primo-romanciers. Je crois qu'un blogueur se doit d'être très, très effectif quand même pour justement toucher tout le monde et être une autre voix peut-être aussi. Une autre voix de ceux bah, qui ont des difficultés. Là, un des derniers romans que j'ai lu, et j'ai dit, c'est dommage quand même qu'on n'en entende pas parler davantage dans les médias. Et est-ce que ce n'est pas nous, blogueurs, ou comme Jean-François, mais c'est très important aussi dans le petit lecteur.com, parce qu'ils sont très, très visités, de parler de ceux qu'on parle un peu moins.
Oui, mais est-ce que ce n'est pas un peu frustrant d'aller dans des directions qui ne sont pas, enfin, de ne pas régulièrement retrouver vos goûts à vous, votre intimité affective avec des livres que vous aimez? Non, pas du tout. Et toujours dans Littéraire? Non, pas du tout, parce qu'on alterne. Parce que je reste quand même avec la même maison d'édition, me disent, oui, voilà, ça va te faire voyager, ça c'est historique et tout. Mais c'est pas du tout frustrant. Non, au contraire, c'est un œil, oui, c'est un œil sur les autres. Non, non, pas du tout, pas du tout. Marie? De mon côté, en fait, c'est un peu à la fois un peu Ghislaine, à la fois un peu Henri Charles. J'ai un peu des deux parce que j'ai une certaine organisation et à la fois j'ai envie, lorsque je vois un roman en librairie et que je me dis voilà, celui-ci, c'est vraiment un roman qui pourrait me tenter. Je l'achète et je le chronique souvent les jours qui suivent et ça même si parfois j'ai voilà d'autres choses à chroniquer parce que le coup de cœur pour moi il n'attend pas et si vraiment je tombe sur un roman qui me plaît j'ai pas envie de faire attendre j'ai envie d'en parler tout de suite j'ai envie de savoir si d'autres gens l'ont lu et j'ai envie de partager voilà sur l'instant en fait tout ce que j'ai pu ressentir en tant que lecteur parce que c'est vrai qu'avant d'être blogueur on est lecteur et ça c'est important. C'est important de le mettre quand même en avant et de ne pas oublier aussi qui on est et puis notre identité littéraire, nos goûts, nos choix de lecture aussi. Et pour moi, même si on peut avoir voilà, des livres envoyés par des maisons d'édition, c'est important de garder toujours ce feeling, on va dire, avec certains romans qui ne seront pas proposés, parfois parce qu'ils sont trop vieux ou même simplement la littérature classique. Parce que c'est vrai que dans mon cas, moi j'aime beaucoup la littérature classique et bon, on va pas se mentir, c'est pas non plus ce que les éditeurs vont proposer le plus. Et pourtant, on peut vraiment faire des découvertes superbes et c'est aussi intéressant lorsqu'on a une communauté de proposer pas seulement la littérature contemporaine, mais aussi se tourner un peu vers finalement la jeunesse de la littérature, ce qui fait aujourd'hui la littérature contemporaine. Donc ça, c'est intéressant et en ayant une totale organisation, c'est difficile de caser des livres qui pourraient nous plaire ou qui pourraient être intéressants, mais qui sont un peu plus anciens. Voilà. D'accord, donc un heureux mélange. Oui. Maintenant que vous avez lu, vous prenez vos claviers, vos stylos, enfin comme vous voulez. Pardon, et moi je tousse. Et vous allez vous mettre à l'œuvre de l'écriture d'une chronique. Alors, qu'est-ce que vous décidez d'écrire? Qu'est-ce qui vous met à l'œuvre? D'abord, est-ce que c'est automatique? Est-ce qu'Henri Charles s'est organisé et pouf, au moment où vous décidez de vous y mettre? Ou alors, est-ce que c'est peut-être Ghislaine, un moment où tac, vous sentez l'inspiration et c'est là qu'il faut s'y mettre, mais c'est un moment que vous ne contrôlez pas? Voilà. Et aussi, je la pose déjà tout de suite pour que vous puissiez prendre le temps d'y répondre. Qu'est-ce qui vous semble important de transmettre? Est-ce que vous aimez transmettre des émotions? Est-ce que vous aimez transmettre une analyse? Qu'est-ce qui vous voilà, qu'est-ce que vous avez dans le bras au moment où vous l'écrivez cette chronique? Marie, vous êtes là, allez-y. Alors moi, personnellement, c'est vrai que, il y a un peu des deux. À la fois, il y a de l'émotion, à la fois, il y a de l'analyse. J'ai envie, évidemment, de montrer ce que j'ai pu ressentir lors de la lecture d'un roman. J'ai envie voilà, d'en parler aux gens, simplement, et de montrer que quelque chose a pu m'émouvoir. Et évidemment, j'ai envie de dire, l'analyse, elle va de pair parce que on a besoin aussi de rentrer dans le roman et d'expliquer à la personne qui nous lit pourquoi ce roman, il faudrait potentiellement l'acheter, pourquoi le roman pourrait être intéressant pour cette personne-là en particulier et surtout attiser la curiosité. Et il y a autant de romans que de lecteurs, j'ai envie de dire. Et c'est vrai que peut-être qu'ils sont intéressés parfois par des détails qui n'intéressent pas d'autres personnes. Et ça va être autant donc au niveau des personnages, au niveau des lieux, au niveau de l'époque, ça peut être plein de choses. Et c'est vrai que, par exemple, mettre en avant une époque et en parler en se disant, voilà, elle a été bien travaillée, les faits historiques ont été bien avancés, voilà, c'est des choses importantes. C'est de l'analyse, c'est déjà plus dans l'émotion, mais c'est important et ça ne peut pas être mis de côté pour moi. Donc voilà, la chronique, je dirais que pour moi,
La chronique parfaite, elle doit être un mélange entre faire transparaître des émotions, pas seulement écrire quelque chose de robotisé en disant voilà, tac, 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 on a ces informations-là, à prendre ou à laisser, mais vraiment faire transparaître la personne qu'on est en tant que blogueur, et à la fois avoir des informations qui sont pertinentes, et qui peuvent parler à tous. D'accord. Jean-François? Il n'y a pas que des blogueurs, hein. Oui. Aussi, c'est comment? Sur le fait d'écrire une chronique, il y a d'abord le plaisir d'écrire, simplement de prendre un stylo à la main et de coucher sur le papier ce qu'on a envie de dire sur le roman en question. Moi, je suis pas vraiment dans l'émotion. C'est pas, je trouve que la critique aujourd'hui, elle est beaucoup dans l'émotion et finalement, elle n'explique pas grand-chose derrière. C'est beaucoup de sirop pour la toux, mais j'attends autre chose. J'ai connu le masque et la plume à l'époque de Jean-Louis Borry, etc. C'était vraiment il y avait des combats sur les bouquins, et c'est ce que j'attends un peu. Ce que j'essaie de faire à titre personnel chez lecteur.com en tant qu'explorateur, c'est de référencer aussi le bouquin, c'est-à-dire de dire, bon, ben, ce bouquin, il y a l'ombre d'un tel, ou il est pas mal sur le chemin de tel autre, ce qui permet au lecteur, de son côté, de se dire, ce bouquin va m'intéresser ou pas. Henri-Charles, merci Jean-François. Alors moi, je me mets à la place du lecteur. C'est les chroniques que j'aime bien, c'est celles que j'aimerais bien écrire aussi. Donc il y a à la fois tout le background. Comme j'ai dit, j'ai une formation de journaliste. On a travaillé les techniques d'information, etc. Il y a tout ça. Mais pour moi, la chronique d'abord. Alors peut-être les outils d'abord aussi. J'ai au fil des ans, j'ai changé mon fusil d'épaule. Au début, c'était très, je prends ma plume, je fais un bel article, ensuite je le tape à la machine, ensuite c'est arrivé l'ordinateur. Maintenant, j'allais dire grâce à Karine, mais elle ne sait pas pourquoi, mais quand j'ai fait les explorateurs, il y avait cette idée de s'arrêter à la page 50 ou à la page 100, je sais plus, je crois à la page 50, et de déjà donner une première idée de ce qu'est le livre. Et je fais ça maintenant de manière systématique, c'est-à-dire qu'après 50 pages, je prends mon smartphone et je note les premières impressions du livre. Et ensuite, c'est le travail que fait notamment Jean-François, c'est-à-dire il faut contextualiser, il faut ensuite essayer de trouver quelles sont les références, d'où est-ce qu'on vient, où est-ce qu'on va, enfin voilà, c'est toutes ces choses-là. Un peu d'émotion parce que, bon, finalement, je crois que la technique du coup de cœur, ça marche quand même bien. C'est-à-dire que quand un livre est un vrai gros coup de cœur de quelqu'un, alors on se dit, ah bah tiens, il va m'expliquer pourquoi. Et s'il l'explique bien, je crois qu'il emporte avec lui les lecteurs. Et c'est pour ça aussi. Oui? Pardon, vous n'écrivez pas que sur des coups de cœur. Ah non, non, pas du tout, mais ça permet d'hiérarchiser aussi. Donc, c'est-à-dire que pour moi, c'est, ah bah oui, là, celui-là, il faut à tout prix que j'en parle parce que ça a réveillé en moi plein de choses, non seulement des émotions, mais des lectures précédentes, des choses comme ça. Et donc, essayer de transmettre ça, de transmettre à la fois l'émotion, l'expérience. Et le chemin qu'a pris l'auteur aussi. Je crois qu'on oublie souvent les auteurs dans les blogs ou dans les choses comme ça. Beaucoup de blogueurs ont tendance à se faire plaisir. On reconnaît plus le blogueur que le livre ou l'auteur dont il parle. Et moi, j'essaie de me mettre en retrait, de mettre plutôt l'auteur et son livre en avant. D'accord. Ghislaine? Mais alors là, pour ce dernier point, là par contre, je rejoins Henri. Je m'efface complètement en tant que lecteur. C'est-à-dire, je ne mets jamais je. Voilà, c'est complètement neutre. Et j'essaie toujours de percevoir ce qu'a bien voulu dire, transmettre, et les messages un petit peu de l'auteur. Voilà, je mets beaucoup l'auteur en avant. Après, je n'ai pas de feuille de route. Hein. Ça dépend des livres. Il y a des livres où je vais commencer par le résumé et puis après, j'explique pourquoi j'ai aimé.
Voilà, d'autres livres, j'aime beaucoup les livres que je restitue dans le contexte. Par exemple, si c'est un livre sur l'embauche, remettre un petit peu d'histoire. Si c'est un livre sur les voyages, quelles sont les précédentes. Voilà, j'aime bien remettre un petit peu dans le contexte. Après, l'émotion, oui, mais je crois qu'il faut, il faut en mettre parce que ça attire beaucoup nos lecteurs, mais il ne faut pas non plus voilà, que ça soit trop baroque en question d'émotion. Et puis, j'attache énormément, moi, à la qualité de l'écriture. Pour moi, le livre, avant tout, c'est quand même de la littérature. Et les belles écritures ont une importance toute particulière. Et je suis vraiment quand la plume m'a plu, eh bien, je le mets en avant. Et quelquefois, je dis sans rien dire, voilà, pour donner un peu de curiosité et dire tiens, qu'est-ce qu'elle a voulu dire derrière ça. Tiens, il paraît qu'il y a quelque chose d'intéressant à telle page. Voilà, pour inciter justement à découvrir le roman ou le document. Alors, je vais vous poser une dernière question avant de laisser la parole aux qui me regardent. Quel rôle vous donnez-vous dans ce travail que vous faites? Pas forcément blogueur, hein, mais travail de relais, de chroniqueur que vous donnez, enfin, vous impliquez, ça va vous provoquer un peu. Mais quel rôle pensez-vous avoir dans la chaîne du livre? Les quatre. Ghislaine, vous êtes là. Peut-être conseillère, je ne sais pas. Moi, je dis toujours, tout ce qu'on fait, il ne faut pas se prendre au sérieux. Voilà, il faut le faire d'abord pour son plaisir. Et si on peut transmettre ce qu'a voulu dire un auteur et nous, ce qu'on ressentit, c'est déjà beaucoup. Bon, si je peux influencer, entre guillemets, j'aime pas du tout ce terme influencer, je trouve horrible. Mais c'est partager ben, ce qu'on a envie que les autres lisent aussi. Et nous, si ça nous a plu, on a quand même envie que les autres lisent aussi. Mais quelle conception, voilà, blogueuse, dévoreuse de grignotage de noisettes à volonté et partant en expert. Merci Ghislaine. Je vais poser la même question aux autres. Puis ensuite, ce seront les questions comment on va dire ça, des internautes. Et je vous demanderai de terminer sur votre dernière prescription de lecture. Mais juste, pardon Nathalie, je voudrais quand même voilà, que les uns les autres, que Henri-Charles, Jean-François et Marie me répondent sur le rôle qu'ils pensent occuper dans la chaîne du livre. Après, c'est à toi. Bah alors, Jean-François. Moi, je suis un très grand admirateur de François Truffaut et de son film Fahrenheit 451, qui est une adaptation de Ray Bradbury, avec cette scène finale où il n'y a plus de livres parce qu'ils ont été brûlés. Et il y a des vieux qui sont là, qui ont appris les livres par cœur et qui les récitent aux autres. Voilà, c'est cette image-là que je garde, si vous voulez, de ce qu'on peut faire en littérature aujourd'hui, donner l'envie et faire passer à des gens plus jeunes cette envie de lire et l'amour des livres aussi, parce que ça me semble assez important. Alors j'enchaîne sur Jean-François. J'ai vu ce livre dernièrement en librairie, je me suis dit, on fait partie vraisemblablement d'une confrérie qui est en train de se rapetisser au fur et à mesure, la plupart des lecteurs étant des lectrices. Donc moi, je me considère un peu comme un des derniers Mohicans, enfin un défenseur d'une activité qui est formidable. Et quand on rencontre des vrais lecteurs passionnés, on a un grand plaisir à échanger avec eux. Et donc, c'est aussi pour ça que je suis relativement actif sur les réseaux sociaux, c'est que j'ai cette idée de partage. Donc moi, je considère mon rôle d'abord comme un média, un transmetteur de passion, transmetteur de belle littérature. Je pense que vous êtes rejoint par Marie. Marie?
C'est ça, oui. Effectivement, Henri Charles parlait de transmetteur. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Pour moi, c'est exactement la même vision que j'ai de notre rôle de lecteur. Voilà, donc c'est pour moi, on donne envie, on peut donner envie, on attise une certaine curiosité. Et pour moi, c'est le plus important, en fait. Après, ça permet aussi, effectivement, d'être ce média qui va permettre des débats, qui va permettre des découvertes. Et ça permettra ensuite, peut-être, de pousser des gens à aller dans leur librairie et se dire, ben, pourquoi pas découvrir cet auteur? Voilà, c'est un premier roman, c'est pas un premier roman. Cet auteur-là, il est moins connu. On l'aurait peut-être pas vu de cette manière ou de celle-ci si on n'avait pas lu telle ou telle chronique. C'est voilà, les avis peuvent changer juste en ayant lu peut-être un article sur un blog. Et pour moi, ça c'est important parce que ça permet d'ouvrir en fait le champ des possibles à tous les lecteurs qui peuvent nous lire. Merci Marie. Nathalie, c'est à toi. Est-ce que Henri Charles peut remontrer moins brièvement le livre qu'il vient Pardon. de... Voilà. Donc L'émouvante c'est... singulière histoire du dernier des lecteurs de Daniel Fort. Merci beaucoup. Alors, nos internautes sont taquins. Vous êtes observés par vos confrères, vos consoeurs. Et Alice dit ceci. Vous dites que vous voulez être libre, mais si les maisons d'édition vous envoient des livres, est-ce que vous n'allez pas hésiter à descendre, entre guillemets, un livre, ou du moins à dire que vous n'avez pas aimé? Vous ne Alors, répondez pas. si je peux me permettre, Oui, Jean-François, bon, allez-y. Karine en est témoin, sur les explorateurs, par exemple, il m'est arrivé quelquefois de dire très clairement que non seulement le livre n'était pas bon, mais qu'il ne fallait pas perdre de temps. Il y a le facteur temps en tant que lecteur. Dès la naissance, on sait qu'on ne pourra pas tout lire. Donc, il ne faut pas perdre de temps avec les bouquins. Et donc, je pense qu'il faut avoir aucune hésitation à faire une critique lucide. Oui, mais et toujours, pardon, puisque j'ai quand même beaucoup lu Jean-François, toujours très très argumenté. C'est-à-dire que ce n'est jamais, ce n'attaque Merci. jamais l'auteur en tant que personne. Et je dirais même, cher Jean-François, que vos critiques sont toujours très constructives et intéressantes pour justement l'écrivain. Ça y est. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir avant que je pose la prochaine question? Bah, j'ai envie de dire de mon côté que effectivement c'est important de ne pas se laisser aller et de ne pas penser tout de suite bon ben voilà une maison d'édition nous envoie quelque chose donc on aurait potentiellement envie de dire que du positif. Non, justement c'est important, mais comme le disait Jean-François, tout en restant quand même diplomate, il ne faut pas non plus voilà, prendre parti sans avoir des arguments derrière. C'est important parce que déjà, ça peut être mal interprété par le lecteur, mais aussi par l'auteur qui ne comprendrait peut-être pas les arguments. Et c'est important simplement parce qu'une question de respect, c'est aussi un travail. Je veux dire, le livre est quand même quelque chose d'important qui a été créé par quelqu'un. C'est important, si jamais on ne l'aime pas, de mettre en avant les arguments. Pour éviter aussi, puis surtout mettre je veux dire, en avant que c'est subjectif, un avis est subjectif, et c'est pas parce que nous on n'aime pas un livre que personne ne va l'aimer, et ça c'est important de le mentionner aussi à chaque fois. Alors moi je vais vous taquiner un peu parce que moi je suis libraire. Est-ce que quand vous allez dans une librairie, vous allez directement, vous n'avez pas besoin du libraire pour découvrir des livres, vous savez ce qu'il vous faut, ou un libraire ça vous intéresse quand même, l'avis d'un Oh ben non, libraire? moi. Alors, Non, un je n'ai pas. libraire, c'est formidable, un libraire. Vive les libraires. Alors, on a plus besoin des libraires que jamais. C'est essentiel. Ça fait partie, comme je disais avant, pour moi, par exemple, des échanges. J'ai deux, trois libraires à Mulhouse que je suis, qui me suivent. Quand je rentre dans une librairie, j'ai des grands sourires. Et puis, on dit, ah, est-ce que tu as lu le dernier un tel? Ah oui, ah ben tu vois, j'ai pas aimé, tu vois, puis etc. Et donc, on commence à argumenter, à discuter. Un libraire, c'est essentiel, c'est aussi essentiel qu'un bibliothécaire, c'est aussi essentiel, enfin, ça fait partie de la chaîne du livre. Les auteurs, bien sûr, moi, j'adore échanger avec les auteurs. Enfin, voilà, non, non, les libraires sont essentiels. Et Marc demande quel est votre budget livre, si vous en avez un. Trop important. Ah. Quand
quand on aime, on ne compte pas. Eh oui. Donc, ce qui veut dire que vous achetez des livres. Ouais. On achète les livres, mais Charles a parlé des bibliothécaires et c'est, je rebondis là-dessus, c'est très important. Il y a un rôle des bibliothèques qui est énorme. Moi, je lis les nouveautés, par exemple, j'achète très peu de nouveautés. Je les lis en commandant le bouquin en ligne sur le site de la bibliothèque. Et bon, ça, c'est énorme. C'est énorme de pouvoir faire, de pouvoir lire autant grâce aux bibliothèques. Ghislaine, on ne vous entend pas. Oui, ben j'ai un budget dans la librairie. Hein, parce que je ne peux pas d'ailleurs me passer de mon libraire préféré. Donc, avant que je sois blogueuse, j'écoutais beaucoup les conseils des libraires parce que, ben voilà, au fur et à mesure qu'on connaît bien, ben voilà, ils savent vous orienter. Et c'est ça qui est important, la différence avec le blogueur. On s'adresse, bien sûr, à des futurs lecteurs, mais sans les connaître. Le libraire, lui, il est directement en contact. Et ça, c'est vraiment très, très important aussi. Et les libraires, ils créent un lien avec le client, hein, comme c'est clientèle. Hein. Alors, les bibliothécaires aussi, dans plus en plus, les médiathèques ou autres organisent des clubs de lecture. Donc, c'est très, très important aussi pour créer un lien. Il y a des libraires qui sont aussi en partenariat avec les médiathèques. Moi, dans ma commune, j'ai créé un club de lecture parce que j'habite en campagne et je trouve qu'il faut, d'abord, on va développer même une saison culturelle dans la petite commune autour du théâtre, autour de, j'ai créé, comme c'était très compliqué l'année dernière, j'ai créé les lectures dans les jardins. Et donc, c'est aussi en partenariat avec toute une chaîne du livre du département. Tout est important, lecteur, blogueur, libraire, il faut soutenir, bien sûr, auteur. C'est pas l'un sans l'autre, c'est tout le monde ensemble. D'ailleurs, l'union fait la force. Hein. Alors, il nous reste très peu de temps. En tout cas, vous êtes des grands lecteurs. Vous êtes une communauté, donc la communauté qui se rassemble autour de lecteur.com. Ça, c'est très important. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous engage à aller sur lecteur.com, qui est vraiment un réseau social hein, où tout le monde se partage des avis. On est là pour, ils sont là pour discuter. Vous pouvez aussi leur poser des questions. Je crois, Karine, dis-moi si c'est, je me trompe ou pas. Sur lecteur.com, est-ce qu'on peut vraiment interagir Voilà. On peut échanger, commenter, partager, ouais, oui. On peut devenir membre, on peut devenir ami, il y a des liens qui se créent, tout ça. Le livre, c'est une grande famille, très grande. On vous remettra donc les blogs de nos trois grands lecteurs. En tout cas, je vous engage aussi à lire sur lecteur.com les belles chroniques de Jean-François parce qu'elles sont très intéressantes. C'est différent, c'est pas un blogueur, c'est un grand lecteur. Il a un autre regard sur la littérature, c'est assez intéressant et j'ai beaucoup aimé Jean-François. Voilà, je vous le dis ce soir. Demain, on se retrouve à 19h. On reçoit Hubert Haddad pour son roman La sirène d'Issée paru chez Zulma. Je vais vous remercier chaleureusement, donc Ghislaine Squirrel. Lito, pardon, j'ai du mal. Jean-François, Henri Charles, Marie et surtout Karine, merci pour cette belle animation. J'avais promis à Nathalie qu'on évoquerait leurs derniers coups de cœur et on retrouvera vos coups de cœur dans un article que nous allons publier sur le site. Ce sera un guide, ça va pas être de la tarte pour moi, un guide de comment écrire sa chronique à partir de tout ce que vous m'avez dit. Et puis, je vous redemanderai là tout à l'heure de me donner… Alors, vous avez une minute. Alors là, on peut le faire là, la prescription. Si vous êtes très rapide, on peut y arriver. Non, on n'y arrivera pas. Mais si, un livre. Un livre chacun. Ils ont un titre à dire. Un titre. Alors, un premier roman formidable. Sur votre blog. Le monde de la colline aux loups, paru au Tripode. Ça, c'est Henri Charles. Le Cavalier Noir, je ne vois pas l'auteur. Philippe Bordard, c'est mon dernier. Il doit être toute fraîche sur mon arbre. Jean-François. Anthony Guéret, qui a été juré du Livre Inter. Les Assassins du Temps Perdu. Voilà, ils viennent de publier ce livre sur. C'est un designer qui a fait une passerelle entre le design et Marcel Proust. C'est vraiment très intéressant. Et Marie, sur le film. Je l'ai dans la pièce à côté, mais c'est Les Hyènes, le premier roman d'Annie Ferré, qui est vraiment très beau, qui est édité chez Grasset. Voilà. Okay.
Bah, merci beaucoup. Et puis, on retrouvera tout ça sur letter.com et sur notre page Facebook. Je vous souhaite à tous une belle soirée. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Merci à vous. Merci. 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 Merci.